Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du tombeau. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. « Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut. Mais il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle y vit alors deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, sans savoir que c'était Jésus, car elle le prenait pour le jardinier. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » « Marie ?»« Maître !»« Ne me touche pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. » Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Thomas, nous avons vu le Seigneur !»« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. « La paix soit avec vous. Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. »« Mon Seigneur et mon Dieu !»« Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.